Écomouche qui est née dans la Manche, à l'élevage mouche chez Julien Bellet. C'est un fils de Canane. Sa mère Aquamouche est une femelle par Calvaro. La société de Bec et Zèbre, représentée par Sébastien Bâtonneau et Françoise Bâtonneau, l'ont acheté fin d'année de 2 ans. C'est un entier étalon, approuvé très prometteur à l'issue du testage des 3 ans à Saint-Lô. Il a fait le CSO avec son cavalier habituel Jérémy Floch, qui est le cavalier habituel du cheval. Moi, je le monte uniquement en Hunter. Et il est arrivé à la finale avec 900 fautes sur 10. C'est un très très bon cheval, très très respectueux, très sensible, très gentil, qui adore faire plaisir à son cavalier en permanence. Vraiment, que ce soit à la maison, au paddock, en piste, il se donne toujours à fond. Il est un petit peu émotif, son côté Canane, mais en même temps, c'est sa sensibilité et je pense que c'est un vrai atout pour l'avenir pour ce cheval-là. Alors pour l'avenir et puis pour le contexte général, donc il a rejoint notre petit groupe avec Harrison Keel, champion des 4 ans. Champion des 4 ans l'année dernière, ouais. Et Gus Delby, qui a terminé 11e cette année en finale des 6 ans. Mmh. Et donc globalement, on sélectionne des chevaux de qualité sur lesquels on les amène sur du dressage de type Hunter et sur du CSO plus conventionnel. Pour lequel ça nous amène à avoir des chevaux qui sont, j'irais, formés sur toute la strate. Et donc Alice et Jérémy Floch, du coup, sont nos cavaliers uniques et qui, du coup, se complètent complètement sur la formation des chevaux sur le long terme. Donc on les amène au plus loin, donc entre les 6 et 7 ans. C'est notre objectif, de les valoriser le plus loin possible de façon à les transmettre à des cavaliers qui les amèneront encore plus loin après, dont c'est leur métier ou leur plaisir.